C'est beau. Ah. Pourquoi est-ce que... Ah. Que se passe-t-il? Oui, oui, ah. je... What? Qu'est-ce que... Pourquoi moi? J'avoue. Pourquoi moi? En plus, c'est moi qui dois faire l'action, what the fuck? Qu'est-ce que t'aurais fait? Parce que moi, je te vois toi. Ouais, bah non, c'est sûrement moi qui dois faire l'action. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Je pense, mais c'est bizarre d'habitude de te prendre toi pour les cinématiques, mais ok. C'est bizarre. Très bien, ah, mais bien, non, mais c'est parce que c'est toi qui est passé en mode nuit, je crois. Ah, c'est possible. Ah, peut-être. J'avoue, j'ai cliqué sur le corps en mode les PV. Ouais, de fou, ouais. Ok, bah je suis la sueur de mon front. Hein. Wow. Quel bel gosse. OMG. Ah. What? Tu te calmes? Éloignez ce couteau tout de suite de moi. Tout de suite, les ailes. Non, mais j'ai juste un peu chaud parce qu'on a eu un combat difficile. Et c'est ça, totalement. Je... Si tu prononces le mot crèche, la vie de moi. Je ne peux plus. Mais ferme-la. Mais qu'est-ce que... Oh, wow. Mais enfin. Mais mademoiselle, il faut pas péter des câbles comme ça. Lâchez cette arme tout de suite. Explorer l'esprit de les ailes. Non, mais ça suffit. Alors, mais si j'utilise mon truc de larve, là, c'est sûr, elle va me taillader. persuasion, nous sommes tous épuisés. Abaissez votre lame avant de faire n'importe quoi. Arrête tes conneries, les ailes. Va prendre un verre de vin, là. Détends-toi. Totalement, détends-toi. Médecine, ce n'est qu'une simple fièvre. Allons dormir, c'est rameux demain. Avez-vous vu dans quel état vous êtes? Donnez-moi votre arme, je ferai vite. Vous soumettre à les ailes, il est hors de question que vous deveniez une abomination. J'abandonne Marie. Non, mais je vais non. La laisser Marie. Elle a rien vu, elle a pas vu qu'on s'est battu contre 16 pelots là. Nous on arrive là, au camp, elle est en mode tu es fatiguée, tu dois donc périr. Et t'arrives. Aïe. Tout le monde. J'ai mort. Non, mais on est fatiguée. Baissez ça avant de faire des conneries là. Ok, super. J'ai avantage selon la situation. Génial. Allez. Hein. Ah, je vois pas. Je vois pas. Alors, c'était 3 et 16. Donc, 16, il fallait que j'aie okay, un 15. Ok, ça va. Ça tout va bien. Ça passe. Tout va bien. Pouf, ne me tue pas. Arrête tes conneries, les ailes. Ça suffit, bébou. Oh, tout le monde approuve. Ah, merveilleux. Ah. D'accord. Maman, je vais plus dormir sur mes deux oreilles, hein, je te le dis. Effectivement. Ah, donc si t'es malade quand tu te réveilles, elle te bute. Let's go. Ah non. Non. Ah. Attends. Mais non. Que... Mais enfin ! Non. Tu te fous de ma gueule ? Non. Non, c'est pas lui. Oh, mais c'est mon gardien! C'est le Père Noël, non? Oui, c'est ton gardien. C'est mon gardien! Laissez-moi... Non, doucement. Mon gardien, je connais votre voix. Je l'ai déjà entendue. Yes, you have. I saved you. Oh, le Père Noël! Il est là! Il est là! Père Noël! Oh là! Ah, ok. Ah bon? Oh, mais quel homme! Vous relevez sans assistance, reculez. Non, mais non, mais c'est ton gardien, évidemment, tu lui tiens la main! Un grand homme. Bon, pas si grand, mais c'est parce que moi, je suis vraiment grande. Mais voilà. C'est un grand homme, quand même. Mm-hmm.
parasite. Your instinct is to resist the power it gives, but you must accept it. Nurture it. I will keep it from consuming you. But for the sake of both of us. Ah bon? You must learn to wield it. Eh ben tant mieux, c'est exactement ce que j'étais en train de faire. Mais quand même un peu vénère ton Papa Noël. C'est vrai qu'il a fait la guerre, il a connu des choses. Qu'est-ce qu'il fait? Waouh. C'est beau. C'est beau. Ah non, c'est la création du truc qui est belle. Le truc en lui-même. Oui. C'est tellement stylé. I have to go. The enemy is closing in. I will be back. Oh là. Waouh, excuse-moi Papa Noël. Waouh. Oh. Incroyable, bravo encore. Waouh. Oui. Magnifique. Eh ben. Attends, mais tout ça en mode on dort tous, mais attendez, mais les gars, on était en mode juste tranquille la soirée là, qu'est-ce qui se passe? Absorbez les parasites. Didacticiel général. Vous pouvez désormais absorber les parasites de flagelleur mental situés dans votre inventaire. Pour faire évoluer vos pouvoirs. Ah bon ? Consommez votre premier parasite à partir de votre inventaire afin de débloquer le menu des pouvoirs. What ? Attends, donc mon inventaire de moi-même, il y a un parasite dedans ? Non. Oh, c'est celui que t'as ramassé sur la prêtresse. Spécimen de parasite de flagelleur mental ? Oui. Je peux donc... le consommer. Il y en a un que j'avais mis dans les poches aussi à un moment donné, qu'on avait récupéré sur le bureau dans le bosquet là. La druide là, qui avait essayé de nous piquer avec son bâton. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, effectivement, bah, voilà. Celle-là. Le tuto t'a dit tu peux le manger, mange-le. Je le consomme. Consomme-le. Aspire son énergie. Il va peut-être falloir que je fasse la même avec le deuxième, je me rends pas compte. Je prends l'autre au cas où. Je voudrais pas que ça me bloque ça. Mais attends, genre, les gars avec nous, ils vont nous prendre pour des tarés. Là, les ailes, clairement, elle va nous buter. Je sais pas. Non, mais... tu sais quoi, c'était trop peu, je vais en bouffer un deuxième. Bah non. Après, Papa Noël me l'a dit. Donc si Papa Noël m'a dit de faire ça, moi je trust, il m'a déjà sauvé. Oh là là. J'ouvre mon esprit à la larve. C'est parti. Ostaillon a l'air passionné. J'avoue. Oh. Waouh. Eh bah, let's go. Let's go, très bien. On a donc chacun un merveilleux parasite. Si tu vas sur si tu vas dans ta map, au-dessus de ta map, tu as un nouveau petit icône, Marie. Pouvoir je te laisse cliquer dessus. Oh bordel. C'est évolué. Bienvenue dans ton cerveau. Aïe. Et tu peux aller sur le cerveau des autres. Moi, par exemple, je sais que Shadowheart, elle hésite. Elle veut pas pour l'instant consommer les parasites. Ah ouais. Moi, je peux faire ce que je veux, et toi, peut-être, tu peux switcher sur le cerveau d'Astarion. Ah, voir je peux si juste d'accord aller sur celui d'Astarion, effectivement. Pour eh ben, si lui, il n'a pas de mots, ça veut dire qu'il est d'accord pour en consommer aussi. Ouais, il est d'accord. Nous en avons deux. Ok. Maintenant. Du coup, une chacune, peut-être. On n'est pas obligé de s'en servir. On peut s'en servir ou pas. Ok. Mais je te laisse regarder un petit peu les choses que. Les choses un petit peu que ça te permet de faire, généralement, c'est des dégâts, t'as de la vie. La décharge concentrée, c'est pratique parce que ça fait faire beaucoup de dégâts. Mais ça veut dire que si tu concentres un autre sort, ça l'annule. Si t'es en train de concentrer, que ce soit un sort de soutien, un sort de
de magie, genre un mur de feu, ce genre de truc. Bah, ça va t'annuler ça, mais ça va te permettre de prendre cette force-là pour tout envoyer en mode missile, tu vois. Ok, ok. Donc voilà. Tunnel de force, si t'es près des gens, évidemment, ça te permet du coup de foncer, tout castagner, tous les virer. Ah, ça c'est bien ça. C'est bien quand t'es au corps à corps en vrai. En thème favorable, c'est un trait passif, donc c'est pas une action particulière, mais ça te permet d'avoir. Voilà. Mais j'ai déjà écouté ce que vous effectuez contre une cible. Bénéficie d'un bonus égal à votre bonus de maîtrise. Donc toi, par exemple, ta maîtrise, ça va dépendre de ce que t'as, mais globalement, ton premier jet a un avantage. Ok. Enfin, un petit truc, quoi. Sans rentrer trop dans les détails. Moi, je sais qu'un des trucs que j'aime bien, notamment en prenant celui-là, en thème favorable, juste derrière, tu as chance des royaumes lointains. Celui-là, j'avoue, c'est un peu un cheat code. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais un long repos, entre les deux longs repos, dès que tu fais une attaque, tu peux la transformer automatiquement en coup critique. Donc, une seule fois entre long repos. Mais du coup, des fois, c'est pratique. Tu vois, quand t'entames un fight, t'as envie de vraiment te défoncer, tu l'utilises quand tu veux. Ouais. Avec l'arme que tu veux, du coup, les dégâts que tu veux. Et c'est pas mal. Et après, bah, tous les autres trucs, tu peux les voir, mais il faut consommer en premier lieu celui-là pour... Tu veux prendre les deux, tu peux prendre les deux. Alors, je ne veux pas forcément prendre les deux. Si tu veux ne pas en prendre, tu peux ne pas en prendre aussi. Oh, mais c'est rigolo. Hein. Voilà, moi, mais c'est des capacités en plus, voilà. Le Papa Noël t'a dit, let's go, allons-y. Tu vois. Totalement, totalement. C'est une bonne question, ouais, je ne sais pas. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir, je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai aucune idée de quel sort je suis censée prendre avec ça, donc on va voir. Mais Bah, ça dépend de ce qui t'attire le plus. Soit tu veux des trucs qui te... Voilà, transfusion de santé, tu sacrifies la moitié de tes points de vie, mais tu peux soigner quelqu'un de la moitié des CPV. C'est pareil, c'est pas fou, si tu prends une décharge concentrée, du coup, le truc qui te permet de récupérer la concentration d'un autre sort pour envoyer quand même 6 à 36 points de dégâts. C'est vraiment pas mal, un rayon, ça a une portée de 9 mètres. En vrai, c'est pas mal, tu vois. Ouais, en plus, t'es druide, des sorts, tu risques d'en concentrer de temps en temps. C'est celui que j'aimais le plus pour l'instant, mais après... Donc en vrai, ça peut être pas mal. Et celui qui a derrière ça est très bien aussi, le choc en retour psionique. C'est-à-dire que dès que quelqu'un va essayer de t'attaquer, tu as une automatique de défense. Ah, ça, c'est beau, ça. Tu peux utiliser ça en réaction. Alors, c'est une fois, évidemment, à chaque fois. Mais tu peux l'utiliser en réaction pour lui envoyer des dégâts en plus. C'est-à-dire qu'il va t'en mettre, mais toi aussi, tu vois. Ok, ok. Donc, voilà. Écoute, je vais prendre les deux. Tu peux prendre... Voilà. Moi, si tu veux explorer un petit peu cet aspect-là au niveau des larves et tout, je suis pas obligée d'en prendre pour le coup, pour l'instant. Comme je découvre mon perso avec son... Ça, j'ai eu l'occasion de les tester, les trucs et tout. Donc, franchement, si tu veux t'amuser avec ça, pour moi, il n'y a pas de souci. Okay. Si tu veux les manger toutes, prends-les. Attends, quand vous donnez une créature à moins de points de vie que vous n'avez de pouvoir évoluer... Ah, j'ai de nouveau disparu. Elle meurt aussitôt. Moins de points de vie. Ah ouais, donc là, genre moins de 2 PV. Ouais, donc pour l'instant, ça ne sert à rien. Je vais prendre l'autre, du coup. Ok, vas-y. Je suis de nouveau invisible. Ah ! Je vais parler à quelqu'un, j'arrive. Terrible. Parle donc à quelqu'un. On a déjà un qui parlait d'ailleurs ou pas ? Ah bah, Lesel est déjà en train de dire on n'obtiendra rien de bon en mangeant une arme. Qu'est-ce que ça, c'était évident, évidemment. Avez-vous réfléchi, Lesel ? Ouais, elle a bien réfléchi, je pense. Est-ce qu'on peut parler du fait que t'as mis un couteau sous ma gorge hier quand même ? Étrange comme approche, si je peux me permettre. Ok. Ok. Elle est pas très... Elle peut pas trop être persuadée. Allez, c'est encore. Le Nat1. C'est le Bien Nat1. Sûr. Pas One, non. Pas One du tout, non. Non, non. Bah non. Ah bah non. Bah écoutez, les ailes pas trop, non. Non, allez, pas ça encore. Va, hein. Bah, je pourrais peut-être pas te pécho en secours du coup. Non, là c'est mal parti. Merde. Oui, oui, ta foi, la crèche, oui, tout ça, on a compris. Oui, bien sûr. Les ailes, t'es un peu casse-couille quand même. Légère, mais c'est pas grave. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les autres? Attends, non, je peux pas parler aux animaux. Ah, mais c'est vrai que c'est à chaque fois c'est une action, donc attends.
Ça te coûte un sort, mais... Ça me coûte un sort, mais en soi... S'il y avait l'ourson qui était arrivé, oui, mais bon. On est à vraiment rien du level up. Ah ouais ? C'est terrible, ouais. Tu vois ça où ? T'as 44 points, genre, en faisant tab. T'as la barre au-dessus de ton perso, c'est la barre à remplir pour le level up. Bientôt level 4. J'avoue que... Ouais, 44 points, bah ouais. Astarion, pareil. Astarion, qu'est-ce qu'il a à dire ? Qu'est-ce qu'il a à dire, d'ailleurs ? Oui. Mon cher ami, comment allez-vous ? Well, no tentacles yet. I suppose we can consider that a success. C'est une façon de voir les choses. Waouh ! Allez, c'est parti, raconte-moi ton histoire, Astarion. Ouh. Oh là, doucement, je faisais la conversation. Non mais, ils sont... D'accord. I was never able to resist their commands. But now, I've been conveniently lost. They won't ever control me again. Ok, Astarion, ça va bien se passer. J'espère. Je suis pas sûre de vouloir enchaîner avec ça, mais bon, je fais la conversation. Hein. Et du coup, c'est de père en fils ou de... Voilà. Just find a vampire that will drink your blood and turn you into a vampire spawn. They're obedient. Attends, what? Tu m'as pas dit ça? The next step is to drink their blood. Quand tu m'as buté? Once you've done that, you're free. And a true vampire. Attends, je suis censée être à son service là, du coup? Non. Lui, il est un rejeton de vampire. Ah, ok, d'accord. Ok. People think the biggest threat to a vampire is a cleric with a stake. It's not. The biggest threat to a vampire is another vampire. They're scheming, paranoid, power-hungry beasts. So why would any vampire give up control over a spawn to create a competitor? Trust me, it doesn't happen. Eh ben, yes. Eh bien, très bien. Moi, je pensais que ça allait être un petit peu plus sympathique comme conversation, mais d'accord. Ok. Ensuite, Will, qu'a-t-il à dire ? Et ensuite, Unbroker. Will, je sais qu'on t'a laissé un peu sur le côté, oh, mais... Watching you consume that tadpole was more disgusting. Je savais qu'il allait pas aimer lui. Ah bah c'est un good guy. Alors, ça fait beaucoup de... Ah, l'entité onirique, c'est le Père Noël, ils l'ont vu aussi ? Ouais, ils ont vu le Père Noël. L'entité onirique, c'est quoi ça? Ils ont vu leur propre gardien, ouais, effectivement. Ok, mais il nous en a parlé, du coup, qu'est-ce que t'en penses? I think that unknowable powers come with unknowable consequences. Mais t'as raison, mais c'est pas drôle! But once you've taken a lithid by the talon, there's no telling how deep into the abyss it might drag you. Alors. Regardez comme je suis en train de devenir puissante. Non. Emma, la puissance qui est en moi. Attention. En vrai, j'aime bien le troisième, ouais. Il faut saisir les avantages. Voilà, il y a des dangers inconnus. Autant saisir les avantages inconnus. Ah, il est pas très persuasif non plus. Tu as des avantages en plus. Ah, utiliser le moins bon résultat. Bah, MDR. Allez, on y croit. Bien sûr. Double 20. Eh ben non. Il va te désapprouver. Désolé, Will. Non, c'était sûr qu'il allait désapprouver, mais... I appreciate where you're coming from. Truly, I do. Ça va, après, il prend un peu plus les pincettes que les ailes, tu vois. Les ailes, elle est en mode, c'est vraiment une idée de merde, je devrais vous étriper pour ça. Exactement. Lui, il est là en mode, non, mais je vous comprends, mais voilà... Très bien. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, Raphaël, c'est vrai, là, le diable là, qui nous a interceptés au pont. C'est vrai. Que penses-tu de... It brings to mind a story. The devil with the silver tongue. An old fairy tale my father read to me. The kind with
A hero, a villain, and a moral. Hmm. Okay. A farmer made a deal with the devil, so the story goes. In exchange for the farmer's dearest fruit, the devil granted him a bottomless coin purse. Trop bien. The farmer's dearest fruit, naturally, was no apple nor peach, but his beloved daughter. We can learn a lot from fairy tales. Don't you think? Super. À condition d'avoir un bon professeur, dites-moi plutôt ce que vous pensez de ce diable. J'avoue que elle est belle la métaphore. La mais question. Bon. Oui. C'est pas la question. Épargnez-moi vos paraboles. Non mais ce soit sympa. Il y a que des réponses. Non, celle-là ça va. Vous dites ça en référence à pareil quand on dit des circonstances. Il me semble avisé de réfléchir à son offre. Potentiellement. Il désapprouve. Peu importe ce que tu dis, il désapprouve en fait. Parce que là. And then require more still. You might think you'd give up anything for a cure, but the devil won't take just anything. He'll take everything. Eh bien, merci beaucoup. Salut. C'est voilà. Fort bien. Aïe. Eh bien, écoute, Shadowheart, qu'est-ce qu'elle a à dire de tout ça? J'ai peur de lui parler, Mind. Je comprends, mais tu peux le faire. Tu peux le faire. It was bad enough having just one of those tadpoles forced upon. Alors, c'est pas moi, c'est elle. Moi, j'ai rien fait. Moi, je l'ai pas bouffé. C'est le Père Noël, il m'a dit de le faire. C'est pas moi. L'artefact. Voilà. Non, mais ça n'a pas trop chiante. Je le continue avec ton truc qu'il me cache. Aïe, aïe, aïe. Non, mais on va lui parler des pouvoirs déjà là. Qu'est-ce que tu en penses? Même si j'ai une petite idée là, vraiment vu l'accueil que tu as fait. Là. Voilà. Vas-y, dis-moi tout. They seem useful. But on the other hand, or perhaps tentacle before long, we know where they're coming from and what lies at the end of that path. I never expected seramorphosis to be tempting. I think we should resist these powers. There's simply too many unknowns for us to risk it. Non, pas l'avantage des pronostics pour vraiment nous permettre d'ignorer un avantage. D'aucuns pourraient dire qu'un accès de prudence peut également constituer un risque. Vous avez peut-être raison. Vous avez raison. Moi, je oui, vous bien avez sûr. Raison. Oui, elle a raison. Elle a raison. Non, mais excès de prudence, mais bah ouais. Ouais, moi, je vais attendre de voir comment ça tourne chez Marie, vous savez quoi, voilà. Oh! Elle a prouvé quelque chose que j'ai dit, Marie. Incroyable. Waouh! Incroyable. OMG, on en est là. Alors, du coup, l'artefact. Ça va être, tu as prouvé, alors ta merde, là, qu'est-ce que c'est? Mais non, du coup, explique-moi un peu, là. Non, attends, j'en suis où dans ces approbations, là? Oui. Je suis remontée un petit peu. C'est neutre. C'est je suis plus dans la haine, je suis dans la neutre. Oh là là. Oh là. Oh là là. C'est si beau. C'est beau. Je caresse le chien, j'arrive. Évidemment. Comment... Oui, bah, bien sûr, bien sûr. Le chien, chien. Qu'est-ce que... Ouais, il y a des espèces de cheveux sur mon chemin. C'est très étrange, mais c'est OK. Tout va bien. Effectivement, c'est un peu bugué de tout ça. Très bugué, mais tout va bien. Okay. Oh là 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 là. Magnifique. Oh là là. Donc, j'ai un pouvoir. Oui. Et un passif de type larve dans le cerveau. Super. Incroyable. Incroyable. Et du coup, on va pouvoir revenir au camp, il n'y aura plus personne. Incroyable. Bien, c'est parti, hein. C'est parti. Attends, allez. Je fais un mini AFK. 30 oui, secondes. Bien j'arrive, sûr. Et après, nous évidemment. Y retournons. Ou on peut y retourner maintenant, soit tout est possible. Tout est possible. Oui. À tout de suite. À tout de suite. Est-ce que... J'ai jamais parlé à Will, je lui parlais un peu en vrai. Ouais, hein. Ouais, hein. Je sais plus si Marie a fait ce dialogue-là avec Will ou pas. Je crois, hein. C'est le pourcentage d'approbation ici dans le troisième onglet. Ah ouais, c'est en faisant ça, là, sur... Ah ouais! Je suis à neutre moins un, bien vu. Merci beaucoup, Lerna.
Alors Astarion, il est... je suis neutre moins 1. Bah super. Hein. Et Ombrecoeur du coup. J'ai peur. Oh non, je suis neutre 14. Oh, je suis positif. OMG. Oh là, c'est jour de fête. Hein. J'ai toutes mes chances. J'ai toutes mes chances. Toi et moi, on va vivre une grande et belle aventure. Ça va être incroyable. Ça va être magnifique. Attends, je vais les asseoir toutes les deux, tu vas voir. Je vais, hop, voilà, je vais nous... Non ! Ombrecoeur, viens ici. Viens là, voilà. Alors, on aurait peut-être pu essayer de se mettre un peu plus proche, parce que là, vraiment, on est très loin sur notre pont. Rapproche-toi de moi, là. Ah, voilà, c'est mieux. Bon, bon alors, par contre, vraiment, la caméra, ça va pas, mais il y a de l'idée. C'est un bon début, regardez-moi ça. Eh. Du coup, on abandonne les ailes, je sais pas. Les ailes, elle m'a mis... Attends, combien elle est d'approbation, les ailes? Alors, attendez, comment je peux savoir ça? Faut que je lui demande de venir avec moi, non? Je vais renvoyer Shadowhearts vite fait, là, pour avoir les ailes avec moi. Vite fait, très vite fait. Les ailes, viens dans mon groupe. Viens, come with me. Oui, la crèche, oui, les ailes, la crèche, oui. Allez, joins-toi. Ouais, viens à la place de ton broker, viens. Elle a level up en plus. Les ailes. Comment est-ce que tu m'apprécies? Oh, ouh, je crois qu'elle m'apprécie. Attendez. Ah non, c'est neutre. C'est neutre comment? C'est neutre 3. Ok, bon. Elle nous apprécie moins, mais quand même. Les ailes à la place de SA, je sais pas, écoutez, je sais pas. Non mais... Écoutez, moi je suis en pleine réflexion, voilà. Je ne sais pas. Je vais la level up, tiens, d'ailleurs. Tant qu'on est là, en vrai. Tant que je l'ai mis dans l'équipe, comme ça, ce sera fait. Mais ouais, en fait, j'ai jamais romancé les ailes, donc je suis curieuse. Mais en même temps... voyez. En même temps, Shadowhearts, quoi. Ah putain, faut lui choisir sa sous-classe de guerrier. Sous-classe choisie. Comment ça? J'ai gagné sauter. Nanana, maître de guerre. 3 aptitudes passives. Manœuvre. Ah, ça, c'est bien, ça, les manœuvres. Oh, la magie, c'est chiant. Et coup critique. Non, vas-y, maître de guerre. Apprendre les manœuvres. Tu vas apprendre riposte. Ça veut dire que quand on l'attaque au corps à corps et qu'on la rate, elle a le droit de riposter. Tu vas prendre feinte. Action plus action bonus pour dégommer avec un bonus en plus. Désarmement, c'est bien. Hein. Et désarmement, c'est pas mal. Allez, vas-y. Tadam! Mais elle est pas trop coopérative. C'est vrai qu'elle est pas... Voilà. Ouais, Shadowhearts, elle est incroyable. On est d'accord, mais je sais. Mais c'est vrai que dans cette run, on peut pas nier. Voilà. Qu'elle a pas été très sympa avec moi. Mais voilà. Qui ça, moi ou Ombrecoeur? Ombrecoeur. Ombrecoeur, évidemment. Toi, hormis la fois où tu t'es transformé en araignée, en vrai, ça va, quoi. Oui. On fait avec, tu vois, c'est ok. Avec, je comprends, évidemment. Ah là là. Eh bien, on est parti. Ouais, j'ai pris les ailes dans l'équipe. Oh là là. Oh là là. Non, en vrai, là-bas, je voulais juste voir en pourcentage d'approbation où elle en était. Mais en fait, ouais. Voilà. Mais le problème, c'est que Shadowhearts, c'est notre île. On a besoin. Oh, c'est vrai. J'avoue que. Besoin, je peux pas ne pas avoir Shadowhearts. Allez, reviens. Non, mais je rigolais, bébé. Reviens. Allez, viens. C'est vrai qu'il y a trop de. Les ailes vont s'en aller. T'inquiète. Alors que toi et moi, vraiment, ce serait suffisant. Les ailes vont s'en aller, exactement, bien sûr. T'inquiète donc pas. Non. Alors jamais. Attends, il faut mettre un arc à Astarion avant de partir. Oui, c'est vrai, oui. Ça. Je n'ai pas tiens, oublié. Tiens, prends l'arc de Shadowhearts. Mais t'en as un autre, hein. L'arc gobelin. Ah bon? Ouais, t'en as un autre dans l'inventaire d'Ombrecoeur. Ah oui. Ouais, c'est vrai. On peut en avoir un chacun. C'est hop là vrai. Magnifique. Ça peut dépanner. C'est vrai qu'elle a ramassé les poubelles, vraiment. Là. Tout ramassé. Ah mais ouais, là, on a loot plein de trucs, là. C'est magnifique. Aïe, aïe, aïe. Et bah, c'est parti. On y retourne? Je voudrais... On y retourne. Allez. On m'a quittons dit dans le camp. C'est peut-être parce que je suis drôle qu'elle m'aime pas. Oh, non. Je trouve ça horrible. Oh, non. Non, elle aime pas les Gitjang. Oh, bah, Astarion, qu'est-ce qu'il veut? Bah, Astarion. Bah, Astarion, enfin. Bonjour. Bah, alors. Bah, avec vous.
Just helped yourself to a little more power, I see. And there isn't a tentacle to be seen. Not a bad deal, I'd say. Mm-hmm. My only mm-hmm. complaint is that you didn't c'est un petit hochement des peaux, genre, bah ouais. Il aurait pas dit non. Ah. Mm. Bon, moi, je savais pas, moi. Enfin, si je savais, mais je savais pas. Je savais pas. Wasn't keen to be the first to try it, just in case there were any. Oh là là. Je voulais bien un cobaye alors, mais maintenant, du coup. I'm all for experimenting. Mm. Il vient de me faire un clin d'œil là, ou j'ai rêvé? Mmh. Ouais, bah écoute, bah y en a plus, désolé frérot, j'ai pris les deux, mais bien sûr le prochain, oui bien sûr. I might just hold you to that. Ah! Ok, eh bien, bon, bah. Pas de soucis, hein, pas de soucis. Bah let's go! Let's go! Ah, c'est reparti! Ah le camp gobelin, oh quel calme, quelle sérénité, il y avait c'est un marchand fou. Ici, Marie. Il y avait un marchand, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Par contre, les corps ont été nettoyés, tout est parti, mais personne n'est venu les remplacer. Hein. Tout va moi, bien, nous sommes incognito. Ça... Moi, je pense qu'on a une chance de personne, c'est que c'est nous. Bien sûr. Oui. On va avancer et tout va bien se passer. Totalement, hein. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Alors attends, déjà, il y avait le barde là-bas. Oui. Il était là-bas, je pense. Il était c'est enfermé. Parti. Ah, bah non. Il est parti aussi. Non. Ah merde! Non, c'est peut-être parce que t'es loin. Attends. Ah non, c'est parce que j'étais loin. Ok, c'est bon. Peut-être, je sais pas. Non, il est là, il est là. Il est là, il est là, ok. Je voudrais vérifier si. Il n'est pas là du coup. Qui est pas là? Dommage. Ah, il y a quelqu'un qui n'est pas là? Non, je suis allée voir juste pour un PNJ, c'est assez rigolo, mais il est pas là. Ah bah du coup, je pense qu'on a foutu trop le bordel. Ah merde! Du coup, il y a. Ouais. Je vois qu'il y a un garde, mais loin. Loin. Okay. Ah non, ça va. Bah écoute, on va libérer le pauvre... Bah le pauvre, ouais, j'avoue. Ah, c'est verrouillé. Non mais attends, on a ramassé je sais pas combien de clés, là. Non mais au pire, Astarion. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, ça. oui. Du c'est coup. Un gros blard voleur, Marie. Fais-le crocheter des serrures. Ok, je crochète la serrure. Je crochète la serrure, c'est dur à dire. Oui, c'est sûr. Normalement, ça... ouais, c'est bon. Tout pile, mais c'est bon, ça passe. J'ai fait 4 et c'est ouvert quand même. Tout va bien. Voyez-vous ça? Mais bien sûr. On entendra votre nom. De génération en génération. Ah, tu peux vraiment être un connard, j'adore. Mais va te mettre en lieu sûr. Bon, après, là, c'est sûr, il n'y a plus personne, mais oui. Oui, vas-y, dépêche-toi. I intend to do just that. A trusty invisibility potion goes a long way in a place like this. Ouais, non, mais t'inquiète, on a fait le ménage. No problem, bro. Please, won't you meet me once we've both slipped the goblin yoke? Mais bien sûr. Oui, bien sûr, mais déjà comment... Ouais, non, on pourra en parler quand vous serez au camp. Venez, bien sûr, on se réunit tous là-bas. Soon, my friend. Soon we can share the flagon of something liquid and a tale of daring do. Let's go. I'll slip away when the coast is clear. See you soon, my friend. I simply can't wait to pick up. When the coast is clear, c'est bon, y'a personne, hein. Y'a personne, ils sont tous morts. On les a défoncés. Qui l'eût cru? Non mais franchement, par contre, je m'en remets pas de ce fight. Hein. Ah mais c'est... On a été vraiment mais d'une tactique exceptionnelle. On a joué sur tout ce qu'il fallait dans les trucs. Franchement, magnifique. Oh, je crois que je peux level up. Ah mais pas toi encore. Je pense qu'il doit te rester quelques points d'XP. Ah oui, du coup, parce que t'as un dialogue en plus, c'est possible. On va attendre vite fait, comme ça, on pourra le faire en même temps. Il y a quelqu'un qui est accroché là-bas, genre un prisonnier, je vais lui parler. Donc, ça peut-être j'aurai les points. Hein. J'avoue. Viens donc avec moi, maintenant. J'arrive. Ce pauvre homme, regarde-le. J'avoue. Il est vraiment accroché, bichette. Oh là. Ah. Puis-je lui parler? Bonjour. Non. Ça dépendra de ce que vous avez à me dire. Mais non, j'adore. T'inquiète, je suis là pour t'aider. Non, sans blague. Ouais. Êtes-vous blessé? Non mais il a l'air en pleine forme, ça se voit, non? Il est en pleine forme, moi je trouve. Vraiment, il va bien. Top, là.
Qu'est-ce que les gobelins vous voulez? Vous êtes venu. Vous avez un druide avec vous, Alcide. Ah, ah, ah. Où est-il? Où est-il? I don't know. He changed into a bear, but I lost sight of him. Ah. I don't know if he's still alive. Il s'est transformé en ours et il a disparu. Ok, d'accord. Okay. Vous êtes venu ici pour trouver Chante Nuit, n'est-ce pas? Bush qui fait vraiment d'interrogatoire. J'avoue. T'inquiète, je te libère, mais d'abord, pose mes questions, moi. Ça doit pas être confortable comme position. Non, plus, pas ça, trop, non. Je pense que les bras, ça doit faire mal. Au bout d'un moment... Que savez-vous au sujet de ce tour d'oreille? Merci pour le troisième mois. Merci. Continuez, non, continue. C'est où, alors? On a entendu parler de ce truc. Had instructions, but... Ah. The goblins got him. Ah. Ah, Marie, il est passé 20h50. Incroyable. Il est passé 20h50, c'est beau. C'est beau. 20h50. I don't want to die. Merci Mauricio. Je sais pas, est-ce que j'ai d'autres questions? Merci pour le soutien. Sinon, votre couleur préférée. Ah non, mais tu imagines. Non, mais c'est bon, je vais pas t'abandonner à ton sort, t'inquiète pas. Thank you so much. Ça va bien se passer. Tu sais la clé? Ah bah voilà. Bah, très bien. Qu'on a eu la clé, on a dû la ramasser. Non, on a tué tout le monde, on a ramassé je sais pas combien de clés. Hop là. J'en avais une aussi. Vous êtes libre? Oui, le 20h50. Let's go. Ça va, Michel? Par contre, si je puis me permettre, joli abdo, Michel. Hein. Franchement, attention les abdominaux. Voilà. Ok. I should be able to make it to the grove on my own. They need to know they're in danger. Ok. Qu'est-ce que les gobelins vous voulez? Parce que j'avoue, ils l'ont torturé, mais. The grove to the east. Oh. They wanted to know where we came from. Oh no. Oh no. Oh non, le bosquet! Marie. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Alors. Faut qu'on trouve le nounours et qu'on se barre avec le nounours. Ouais, ouais, non mais. Bah. Ouais, non mais c'est bon, allez, c'est bon, frère. Va-t'en. Va leur dire que c'est la merde, voilà. Ouais, hein. Ok. Et je peux désormais level up, incroyable! Incroyable! Ah, petite session de level up. Hop, magnifique. Hop, hop. Ah, il s'est barré par un trou, lui. Ok. Et là, nous passons bon, level 4. Nous allons donc techniquement gagner un don. Un don? Un don. Oh, bordel. Oh, waouh. Nouveau don disponible. Qu'est-ce que c'est encore? C'est pas possible. Alors, moi, sort mineur. Je pense que je vais prendre ceci, évidemment. Ok. Ok. Alors, soit... Oh. Oh. Ok. En vrai, faudrait que je prenne un truc comme ça pour ensuite pouvoir le bouffer avec mon truc de larve ou pouvoir taper plus fort. Ouais. Lequel des deux, j'en sais rien. Qu'est-ce que c'est les tests de caractéristiques? Les tests de caractéristiques, eh bien... Alors, attends, je vais pas te dire de bêtises, ça dépend... Enfin, de tes caractéristiques, globalement, c'est ce que tu peux augmenter. Genre amélioration, genre force, dexté, constitution, intelligence, sagesse. Ça va être en fonction du test que tu dois faire. Tu vas utiliser soit la force, soit la dexté, soit l'intelligence, par exemple la sagesse au niveau des sorts ou quoi. Donc c'est ces jeux-là, en fait. Ok, bon, vas-y. Je vais prendre ça. Potentiellement, préparer les sorts, donc ça, c'est bon. Et le don. Oh, putain. Waouh. Choisissez un don dans la liste ci-dessous. Waouh. Mmh. Ouais, il y a beaucoup de choses. Ok. Il y a beaucoup de choses. Moi, je suis en train de regarder aussi. Alors, soit t'as le basique, genre vraiment le premier amélioration de caractéristiques, et tu mets 2 points. Soit dans force, dexté, constitution, selon les trucs que tu utilises, tu vois. Ouais. Ah oui, d'accord. Hein. Combattant machin, explorateur de donjon, gaillard. Un bon gaillard. Il y a tellement. Initié à la magie druide. Vous apprenez 2 sorts mineurs.
Oh, waouh. Musicien. La maîtrise des instruments de musique n'a plus de secret pour vous. Ok. Ouais. Après, dans tous les cas, je pense que je serais obligée de prendre les deux. Je ne sais pas. Alors, moi, je sais. Le truc basique, c'est d'augmenter les caractéristiques. Ouais. C'est le truc le plus simple que tu peux faire en SWAT. Je sais pas trop où sont tes points à toi. Mais tu mets dans tes caractéristiques déjà les plus élevés, un ou deux points. Qui ouais. va te permettre d'augmenter, en gros, globalement, les résistances, les dés, les avantages au niveau des dés de ces caractéristiques-là. Donc, te les over-cheater encore plus. Sinon, alors, des trucs que moi, j'utilisais... Bon, après, moi, j'ai pas fait druide. Ouais. Mais donc expert au combat, pas non, ça c'est les manœuvres, c'est mieux si tu tapes. Sauvagerie, c'est si tu tapes aussi. Parce que sinon, moi j'avais mage de guerre. Mage de guerre, c'est tout en bas. C'est tu bénéficies d'un avantage sur les jets de sauvegarde permettant de maintenir votre concentration. Bon, par exemple, si justement tu fais des sorts à concentration, tu auras un avantage sur tes jets de sauvegarde. Quand quelqu'un t'attaque et du coup essaye de briser ta concentration. Bah, t'auras un avantage sur ce jet-là. Ok. Et en plus de ça, quand quelqu'un va te passer à côté ou essayer de t'attaquer, tu pourras utiliser une réaction pour lancer poignée électrique, en gros. Ah. Donc, ça te permet d'avoir et un avantage sur la concentration. Et, enfin, je sais que c'est ce que j'avais joué avec mon ensorceleuse. Ok. Donc, je sais pas. Après, Android, s'il y a des trucs un peu plus OP, j'avoue que je sais pas trop. Sinon, t'as des trucs qui te mettent des PV, genre Gaillard ou Corias. Corias, c'est votre maximum de points de vie augmenté de 2 par niveau. Donc, tu vas quasiment doubler tes points de vie sur tout le long de la run. C'est et pas Gaillard, c'est... oui, c'est vrai. Sinon, tu peux apprendre les maîtrises d'armure, mais pas sûr que ça serve en vrai en tant que druide. Vigilant, c'est pas mal. C'est tout en haut. C'est le troisième en parlant d'en haut. Bénéficier d'un bonus de plus 5 à l'initiative. Vous pouvez pas être pris par surprise. Ça veut dire qu'à chaque tour, à chaque combat qu'on fera, t'auras plus 5 à ton initiative. C'est quoi l'initiative? Donc, généralement, l'initiative, c'est ce qui définit l'ordre dans lequel on joue. Tu vois, genre là, par exemple, par rapport à tous les gobelins, tu jouais vachement loin parce qu'ils avaient fait une meilleure initiative que toi. C'est un jet qui se lance automatiquement, évidemment, c'est l'ordinateur qui le fait. Évidemment. Mais là, du coup, t'as d'office plus 5 à chaque fois. Donc ça te permet de jouer généralement plus vite dans la plupart des fights. Je sais que ça, je l'avais mis, il me semble, à Astarion, notamment. Parce que comme il est roublard et qu'il est dans la discrétion, j'avoue. Entre guillemets, c'était pratique qu'il joue en premier pour se déplacer, pour machin, tu vois. J'avoue. Mais okay. Après, ouais, ça dépend. Hein. Moi, je pense qu'en vrai, je vais faire ça. Je vais me donner de l'intelligence parce que pour l'instant, je suis bête. Du coup, j'ai toujours des trucs négatifs avec l'intelligence. Du coup, je vais me mettre les points d'intelligence pour l'instant à faire ça. Ça dépend sur quoi t'en as besoin en vrai. Hein. Parce que vous utilisez une attaque à main nue au lieu d'une arme. Modificateur de force. Est-ce que j'augmente d'abord ma... Ah, je sais pas, putain. C'est trop de trucs. J'ai jamais joué moine et du coup, en fait, j'hésite à soit prendre un truc de bagarreur de taverne comme je me bats à main nue, tu vois. Ça me permet en gros d'augmenter mes dégâts, mais ça me permet surtout d'augmenter avec mon modificateur de force. Mais ma force elle est à 14. Or, je pourrais la mettre. Enfin, non, elle est à 12 et je pourrais la mettre à 14. Donc, d'abord augmenter ça. Je pense que je mettrais des tatanes plus fortes si je mets force à 14. Moi, j'ai pris les trucs les plus simples que tu m'as dit de prendre. Sinon, là, je vais me perdre. Il y a trop de trucs. Ouais, je comprends. Il y a trop de trucs. Mais en vrai, je vais faire ça. De toute façon, je vais prendre la force et au prochain don qu'on aura, je prendrai Bagarreur des Cavernes. Ou l'inverse. Je vais parler au rat en attendant. Allez, vas-y, je prends Bagarreur des Cavernes. Ça me tente trop. Et après, il y a un truc où je suis un... Ah, ouais, si, on va faire ça. Bagarreur des Cavernes, on va monter ça, hop. Voilà. Oui, bonjour. Shadowheart, toi tu vas prendre un sort en plus. Ouh, un sort de soin. Bah voilà, c'est très bien ça. Le sort de soin, évidemment.
Ouais, poison rudimentaire, on va pas boire ça, hein. Ça c'est quoi. Et elle, on va lui mettre notamment de la sagesse et de la constitution. Ou de la dextérité. Des livres de religion, oui, bien sûr. Ok. Ouais, on va faire ça. Là, c'est Let's go. Où était le monsieur. Wouhou. Let's go. Incroyable. Je suis là, bonjour. Bonjour. Alors, bah écoute, voilà, on n'a plus qu'à continuer de se balader. Hein. Eh bien, c'est fort. Oh là là. J'ai un autre chapeau, you know. Je crois que c'est le même. Oh là. Mais il est... Oh non, il est inversé. C'est un... Oh là là, c'est bon, j'ai un nouveau chapeau. Oh là. Le béret. Oh, waouh. Waouh. Let's go. Bien sûr. Magnifique. Je n'ai pas les mots. Eh bien, je comprends. Je comprends. Tu es parfaite. Voilà. Est-ce que de ce côté, on avait tout exploré? Il me semble pas. Hein. Il y avait une porte ici. Est-ce qu'on peut ouvrir cette porte? Parce que la prêtresse, elle avait une clé. Je pense que c'était la clé de sa... Ouais, les quartiers de la grande prêtresse. Let's go, hein. Let's go. Entrée des quartiers de la grande prêtresse. Ah oui, j'ai pris la clé à Astarion, c'est vrai. Ah. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors. C'est-à-dire que... Oula. C'est-à-dire... Non, c'est bon. C'est bon. Non. C'est alors, pas... bonjour. C'est-à-dire que... Alors, est-ce que... Est-ce que... Soit on peut discuter. Ah mais on peut discuter dans ce jeu, discuter. C'est ça qui est fou. Madame. Nous pouvons. La grande prêtresse a malheureusement subi un malentendu. Oh, wow. Laissez-moi vous expliquer, madame. You've set foot in a restricted area. A swift exit may be in order. Mais non. Oh non, 2500 pièces d'or, doucement. Mais oh, non, wow. On n'est pas une... Dis donc. Tout va bien, je vais faire F5. Tout va bien. On n'est pas d'intrus ici. Non, on est en famille. Bien sûr. Je suis ici chez moi, doucement. Ai-je vraiment l'air dangereuse? On m'envoie rejoindre la patrouille? Ouais, bien sûr. Je suis pas le bon dialogue, what the fuck. Ah ouais? Ah moi le premier, ah oui j'avoue ouais, toi t'as juste continué. Le premier bah, c'est ouais, on m'envoie rejoindre la patrouille, sinon je suis ici chez moi désormais. Ou alors regardez-moi un peu, est-ce que vraiment j'ai l'air dangereuse? Voilà. Non mais on m'envoie rejoindre la patrouille. Allez hein. Oh ah. Faut que je fasse 22. Bah bonne chance. Hein. Attends, est-ce que tu peux... Ah ouais non, tu peux... Tu peux t'ajouter un bonus? Ajouter les bonus. Shadow, c'est assez proche. Assistance. Ah oui. Est-ce que... Oui, oui, ça te donne... ça fait un G en plus, en gros. Ça fait un G en plus. Tu t'es mis assistance, toi? Ouais, moi. Ouais, parce que j'avais pas compris. Je pensais que c'était pendant les combats. Et parce qu'en fait, il me fallait un buff pour pouvoir ensuite l'utiliser avec le truc du verre dans ma tête. Dans mon cerveau. Mais du coup, c'est pas un truc à utiliser dans un fight. Donc bref, écoute, 22, hein. Let's go. Hein. Non. Ah ben, on dirait qu'on va encore se battre, hein. Alors, bonjour. Super. Oui, mais après... Ah bah ça va. Ah bah ça va. Ah mais non, mais tout s'est bien passé en tout fait. Tout s'est bien passé. Après on peut pas trop fouiller si elle est là, tu vois, c'est un peu chiant, mais après. Bah après y a pas l'air d'avoir de, je sais pas trop. Hein. Oh waouh waouh non. Quoi? Oh. Fuis. Oh oh. Fuis. Je fuis. Qu'est-ce que t'as volé? Après elle est toute seule, elle est niveau 4, on en a buté 16. J'ai juste volé un parchemin. Putain. Elle sort pas de la pièce? Mais non, c'est bon. Elle se fait bloquer par une porte. Incroyable. Incroyable. Eh bien, non, du coup. Fort bien.
Alors, où allons-nous? Où allons-nous? Ah, on peut libérer Michel maintenant, il est tout seul. Michel... Ah bah, on peut y aller, hein. Ouais, il n'y a plus personne, on va quand même le sortir de sa cage, le pauvre. Bon, après, il était un peu... Hein. Il était un peu con. Il n'est pas très sympa, mais vas-y, vas-y. J'arrive, j'arrive, quand j'arrive. Je vais le libérer. Voyons voir. Ah, c'est vrai qu'il y a toujours les araignées en dessous aussi. Porte de la cage désamorcée. Attends, déjà, est-ce que t'as envie d'être libéré, Michel? Bonjour. You think this is funny? I'll be the one laughing when things turn ugly. Safer in here than out there. Ah, il préfère être dans la cage. Non mais quand même, je peux désamorcer ça ou... Ah. Ok, 15. Attends. Non, attends. Astarion... Eh, je suis pas sûre de vouloir l'aider, en fait. C'est combien pour lui? 15, c'est pareil. Sauf que lui, il a plus de points. En soi, ça se tente, mais... Mais bon. Ouais, hein. Ouais. Voyons voir. Ah bah, très bien. Eh bah, ça restera fermé. Malheureusement, j'ai fait 3. Bah, tu sais quoi, j'étais pas sûre. Bah, oui. Du coup, voilà. Oui, bonjour. Oui. J'ai pas réussi à ouvrir la porte de son truc. Mais de toute façon, tu sais quoi, il avait l'air de vouloir rester plus à l'intérieur qu'autre chose. Donc, bah, écoute, qu'il se démerde, finalement. Ok. Voilà. Et ben, il se démerde. Très bien. Il se démerde. Il y a deux gardes là. Sauf qu'ils n'ont pas l'air de garder grand chose. Il y a quoi là-bas? Ouh, il y a. Oh là. Ok, des mecs un peu énervés. J'ai trouvé. Oh, Marie. Ouais. J'ai trouvé une planque de vin. Mais non. Incroyable. Et là, là-haut, il y a 3-4 bouteilles. Où ça? Mais non, incroyable. Magnifique. Il y a un tabouret vraiment avec 3-4 bouteilles, en bas, tu sais, la planque, c'est genre vraiment... J'avais vu juste le tabouret, mais j'ai pas vu les bouteilles. Allez, hop. Ah, on ramène à la maison. Ah, on va pas laisser ça mourir, il y a plus personne pour les boire, c'est triste quand même. Oh bah oui, quand même. Non, mais oh. Oh là là. Alors, attends, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir du fight quand même, parce qu'il y a quand même vachement... Attends, mais eux, ils sont niveau 5, là, y a du monde. Niveau 2. Là, il y a du monde. Et je suis en train de me dire, est-ce que on clearerait pas les deux à gauche pour pas qu'ils les envoient en renfort? Parce qu'on va devoir... Oh, là, ils sont rouges, on peut même pas leur parler. On peut même pas leur parler. Bah, en même temps, on a démonté tout le camp. Du c'est coup... Vrai. c'est vrai. Ils ont peut-être entendu... Tu vas les démonter qui, toi, ceux qui sont là? Ah oui. Ouais, il y en a deux à gauche. Il y a un coffre aussi là-haut. Comment on y va? Il y a un coffre ici. Oh. Ah, bonjour. Je me dis, ouais, ils sont juste deux. Oh. Je me faufile. Ma cache est réussie. Elle n'est plus réussie. Eh bien, Ayos, comment? J'arrive. Non, mais t'inquiète, regarde-moi bien. Ouais. Regarde-moi bien. Je vais la pousser. Ah, merde. Ah, mais je suis déjà dans le combat. Merde, je suis hop là. Ah, merde. Elle a raté, putain. Non, mais t'avais un truc à faire, Micheline, là. Alors, c'est-à-dire que... On est d'accord qu'ils sont que deux, ouais, ils sont que deux. Hop. Tout à fait. Ah mais oui, mais coup, non, parce que... Je m'étais déjà accroupie, ça a servi à rien, je suis... abattue. Je vais la pousser, j'y crois. Voilà. Oh, voilà. Let's go. Incroyable. Ah bah voilà. Ah bah très bien. Bah ça c'est super bien passé finalement. Les pauvres, ils ont même pas pu... Ils se sont fait démonter. Démonter. Magnifique, la gueule. Merveilleux, superbe. Bravo. Eh bien écoute, je me dis que c'est forcément par là-bas. Hein. C'est là où il y a tous les connards. Fouillons. Oh, de toute façon. Il y a un endroit, il y a l'air d'avoir de l'or. Ouais. Hein. Ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ça passe 5. Un petit F5 et on y va en vrai. Ouais. Hein. Allez, hein. Un petit F5 et on y va. C'est bon. Allez. Tu veux qu'on les attaque en d'abord? Comme ça, ils seront surpris. Merde. Attends. Oh, attends, il est parti, lui, là-haut.
Je vais essayer de faire... Oh putain, il revient. Oh le con. Non, 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 non. Non, Astario, Astario. Astario. Ok, attends, mais t'es dans le combat? T'es dans le combat? Ouais, moi, je suis repéré. Mais toi, tu peux... Je pense que tu peux faire une attaque en mode... Je pense pas, il nous voit partout, hein. Là-bas, il y a une autre porte, de l'autre côté. Si tu traverses, ouais. À mon avis, comme ils sont tous focus sur moi, et tu crochettes la porte, tu vois. Attends, une porte à crocheter. Ah ouais. Tu la crochettes avec Astarion et ils seront tous dodo par rapport à toi, donc techniquement tu devrais... Ah quand, putain, il y en a une dans les escaliers en vrai. Je sais pas. Ah non, elle est pas arrêtée, elle. Ça y est. Ah. Ah. Non, je suis dans le combat. Ah merde, c'est fait voir par là. Putain de merde. Oh non. Dommage. Oh non. My bad. Mais il était parti. Oh bordel. Oh, je vais les défoncer. Bon bah c'est parti, hein. Jure. Eh bah allez, hein. Alors. Ok. Ok, je suis encore loin. Ooh. Ok. Et je peux tirer à l'arc, tire dans la cuisse, arc. Ouais. Vas-y. Ah, mais en fait, ouais, tu bénéficies du bonus d'Astarion et ouais. T'attaques à distance. Ah ouais. Eh ouais. Ah l'attaque ouais. L'attaque sur moi, c'est cheaté, hein. J'adore. Ah ouais. Ok. Eh bien, Eh bien, let's go, hein. Ouh, il est pas content, celui sur la scène, là. Il est gros, gros. Alors, moi, je propose d'invoquer ceci. Tiens, vas-y, hop, tu vas venir te mettre là. Merci bien. Ah, oui, bien sûr, ouais. Bienvenue, petit marteau. Et ensuite, je vais faire ça. Tiens, je vais essayer de l'abîmer, lui. Waouh. Un peu joli, joli, pas mal. Il a combien de PV, lui? Ah oui. 75. Ouais. Allez, hein, on peut le faire. Hein. Ah, puis c'est un barbare, donc il est rentré en rage. Fort bien. Mais oh attends, bordel, je vais me faire démonter. Andarna, elle est toujours pas dans le combat. Ok. J'ai pris les clés dans les mains et je suis par terre. T'es par terre? Il m'a démonté la gueule. Arrête. Oh non, elle dit... Ah ouais. Mais du coup, je suis pas du tout arrivée furtivement. Ah, dommage. Ah, choc en retour, bien sûr. Ok. Doudou. Alors. Alors. Du coup. Qu'est-ce que t'as au-dessus de ta tête? Ah, t'as un maléfice, merde. Ah, je sais. Ils ont jeté un maléfice de le lance. Oh. Ça, c'est quoi la distance déjà? C'est ça, ok. Bon, je me suis fait démonter, je m'en remets pas. Ah. Oups. Alors. Est-ce que je peux aller... Je peux aller jusque-là? Bah ouais. Non, mais ça va bien se passer, ça va bien se passer. This is good. Ouais, hein. Toi, tu es niveau 1, oui. Toi, t'es niveau 2, ça devrait aller. Je peux atteindre les deux, là. Normalement, ouais. Défonce-les! Eh ben non. Oh, waouh! Oh! C'est alors, vrai? C'est pas prévu, mais c'était magnifique. Oui, bah oui, l'environnement peut, bah oui. L'environnement oui. peut. L'environnement, tout à fait, finalement. Tout à fait magnifique. Tout à fait. Totalement. Parfait. Il a attaqué ma hache qui flotte, là? Il a attaqué la hache qui flotte. Il est démonté. Mais il est qui, lui? Mais j'adore. Il est fou. J'adore. Ah. Oh, oh mais quoi? Attends, alors. Pitié, doucement. Ombrecoeur. Ok. Oh, ouais. Alors. Ça va, Ombrecoeur, elle joue après Ling, faut pas qu'elle se prenne un coup, mais ça devrait aller, elle est cachée, donc je pense pas qu'elle prendra de dégâts. Elle pourra soigner et me soigner. Mm-hmm. Je pense. Lui... Il va... Il m'a défoncé, il y a eu aucun respect. Mais c'est good, hein. Normalement, lui, il est tout seul. Ouais, l'autre, il est mort avec la hache. Waouh. Nice, ok. Ça c'est ma hache, ça. Attends, what? Mais non. Oh, non.
Merde, je savais pas qu'il y avait du Friendly Fire. Mais je voulais attaquer le mec. Aïe, 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 je savais pas. Elle était à côté. Oh non. Oh non, je savais pas qu'on pouvait. J'ai cliqué sur le mec et ça a cliqué sur la hache parce que la caméra... Oh non. Ça va bien se passer, Marie. Alors, je vais aller me mettre là, moi. Aïe, aïe, aïe. On va tenter quelque chose de type... Ah, magnifique. Voilà. Et de type... Et puis c'est tout. Ça va être à lui de me péter la gueule de nouveau. Maintenant que je me suis levée. Je brûle. Je brûle. Non, monsieur, non, mais... Mais quoi? What? Mais attends, mais il est giga vénère, ce gars. Mais c'est qui? What the fuck? Merde, tu dois... Ce qu'il a pris. Oh, wow. What? Merci baby tout, merci beaucoup. Mais monsieur, beaucoup. Il faut vous calmer. Oh non, il faut la relever. De la part des notre... copains. Mais bro, pourquoi il fait si mal? Aura de commandant. Les alliés proches infligent 1 à 4 dépend de 1 à 4 points de dégâts de force supplémentaire. Non mais frère, cheaté, ça va oui. Il résiste aux dégâts tranchants, perforants et contondants. Donc en gros, si t'as de la magie, vas-y, hein. Fais-le péter. Hein. Le gars là, le Michel de là-haut. Ah bah je sais pas mais fais attaque qui tu veux en vrai. De toute façon faudra bien, mais lui il fait mal hein, à chaque fois qu'il joue il défonce. Ouais, faudrait que je me rapproche de lui pour pouvoir... Je vais essayer de lui mettre je pense un max de dégâts au tour d'après. Mais waouh monsieur aïe. Je vais tenter ça moi sur lui, ça devrait. Et je peux avoir elle aussi. Non. Ok. Ah oui, nice. En vrai, oui. S'il reste en rien dessous... Lune, ouais, nice, nice. Dans tous les cas, techniquement, à chaque fois que ce sera son tour, il va prendre des dégâts s'il est dans la zone au début de son tour, je crois. Donc, en vrai, c'est pas mal du tout. Carrément bien, même. Incroyable. Eh bien, let's go, hein. Je peux aussi faire... Attends, qu'est-ce qui fait mal? Rien, hein. Ouais, dans le doute. Hop là. Ah, gros gros. Ah, gros gros, évidemment. Évidemment, mais comme bah, ça, go, hein. Le tank... Ah. Let's go. T'as tanké en plus la flamme sacrée. Magnifique. Ah, c'est de nouveau le tour de ma hache. Hein. Ta hache qui va pas très bien, mais... Je me demande qui la attaque. Ah. Bah du coup, tu vois, elle vise plus droit maintenant. Ouais, effectivement, peu... ouais, je peux comprendre. Je fait défoncer. Ok, bon. Astarion, il brûle. Il brûle un peu. Oh, bordel. On va le mettre... Est-ce que... C'est quoi le rayon de l'attaque à distance? Ah, oh, tu peux attaquer de loin, j'imagine. Est-ce que je peux me mettre loin? Genre là. Don't linger. Et là. Et là. Ouais. Ok. Nice. Nice. Ok, je l'ai fait tomber par terre. Bon, il reste des messieurs là, mais c'est mais surtout... Mais je ne vais pas gros, pouvoir relever Shadowheart. Ils sont où les autres? J'ai mal. C'est quoi? Je vais vous rejoindre. Je vous rejoins. Ah, je l'ai mis par terre, donc techniquement il est vulnérable. Mais je sais... Ouais, non, je suis pas sûre que tu pourras l'atteindre avant de... Peut-être à ma hache, mais je suis même pas... Moi, il faut que je me barre, hein. Mais faut que je me barre à un endroit où... Mais lui, là, il va me... Je fuis! Fuis donc! J'ai mal! Et Ombrecoeur qui agonise. J'ai pas pu la relever, fuck! Ah non, c'est vrai qu'on a pas de... Du coup, j'ai voulu le mettre par terre, mais... Faut que j'envoie une potion au prochain tour, mais je voulais d'abord me mettre à l'abri. Oh, putain, en plus, ça le rate, c'est jet de sauvegarde. Tu vois, lui, il a repris ses dégâts, là, d'être dans le... Ouais! Oh non, mais frère! Wow! Super énervé! Non, mais monsieur! Il faut absolument relever Shadowheart. Alors quand tu seras à Astarion, je pense, hein. Parce que ton ours, il va être trop loin. Il va être trop loin. Mais c'est ok. Tu peux aller le taper, peut-être, avec un saut. Avec un saut, lui. Peut-être. Défonce-le, Marie.
pour ce qu'il nous a mis là. Ouais, totalement. Oh là, attention. Oh voilà, 6 PV, voilà. Ouais, mais quand même, il faut y aller. C'est plus de la moitié de sa vie, il faut y... Mes deux persos sont à l'agonie, tout va bien. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Ah. Ok. Ok, moi je peux aller le tabasse avec ma hache. Oh frère, fais pas d'effort cette hache. Aïe aïe aïe. Bon, l'avantage c'est qu'elle sert d'appât. Donc comment je fais? Faut que j'aille à côté d'elle? Normalement, si tu vas à côté d'elle, tu pourras la relever, mais ça va te coûter ton action par contre. Ouais. Mais si tu la relèves, elle pourra soigner au moins. Starion, il est mal lui aussi. On va vérifier si avec ton action bonus, tu peux pas pousser celui qui est derrière toi si t'as assez de. Merci. Ah ouais. Peut-être. Attends. Tu le mettras quelques dégâts. Ça peut suffire. 40%. Pousse-le! Oh dommage. Oh non! Ah mais c'est parce qu'il y avait une branche derrière en fait, j'avais pas vu. Faut que je tourne un peu plus la caméra. Ouais, parce que t'as la ligne généralement de là où ça l'amène quand tu pousses. Ah ok. À chaque fois. Non mais frère, mais c'est fou! Oh waouh! Waouh, le nounours là! Oh waouh! Non mais frérot, ça va bien mais se passer. Mais monsieur, calmez-vous. Mais enfin. Non mais là, il faut se détendre, je reconnais là, il faut vraiment Alors attends, toi par contre, je vais te démolir. Est-ce que je peux y aller? Mais elle est censée pouvoir voler cette hache, c'est fou. Ouais, hein, on va se soigner. Oh, hein. Ça rend ouf. Comment dire? Ah non, il va me faire tomber dans le trou. Pas sûr, hein. Ah bah quand même! Quand même! Bon bah... Oh, bien, j'ai raté mon troisième jet contre la mort. Arrête. Ok, faut absolument qu'il faut que l'autre ne s'acharne pas sur moi, en fait, j'en sais fou. J'avoue. Ouais. Il me reste des actions bonus. Je peux faire ça et juste me mettre devant en mode eh oh, tape-moi. Après, s'il me tape moi en vrai. Ah, mais attends, ça me récupère des PV. Ah oui. Oh, bon, pas suffisamment, ouais, mais bon. Ah oui, non, mais quand même. Ok. En vrai, let's go. J'ai. Mais non, mais c'est une blague. Oh mais non c'est une blague. Mais c'est une blague. Il a compris que c'était le heal, mais c'est fou. Tu es devant lui, tu viens de lui niaquer la carotide et lui est là en mode, il y a une mademoiselle là-bas. Elle a un PV, c'est elle que je veux. Il y a comme un problème. Oui, je sais. En plus, ma hache, elle peut pas relever, genre, c'est chiant. Comment est-ce qu'on peut faire? Je sais pas. Il a combien de PV, le monsieur? 21? Il y a pas un monde où il meurt, là? Comment je peux utiliser le truc de fou, là, que j'ai pris dans le cerveau? Alors ça, il faut que tu lances d'abord un sort qui est en concentration, en fait. Ah, mais ouais, mais j'en ai pas. J'aurais jamais dû prendre ça. Bah, t'en as des sorts en concentration, non? Non. En tant que druide? Non. Des sorts de soutien, des sorts genre armure de je sais pas quoi. Ça, c'est des sorts qui te demandent de la concentration techniquement. Ah ouais, j'en ai aucun pour l'instant. J'ai une grenade, moi. Tu as une grenade. Elle est où? Mm-hmm. Je sais que j'en ai ramassé une. J'ai ramassé une grenade, j'ai rêvé. Non, elle est là! Tiens, je la mets dans les poches. Une grenade. C'est une bombe de foudre à canon, ça fait 12 à 21 points de dégâts. Attends, donc si je me. Attends. Ah, mais peu importe où je vais, il me... Ah ouais. Mais après, si tu la lances derrière lui, et tant qu'il est dans la zone d'impact, il va prendre les dégâts. S'il est trop proche, chemin interrompu... Ah ouais, mais t'as pas le cercle, ouais, fuck. Faut que ce soit Astarion qui la lance.
Je n'en remets pas de ceci et ma hache ne sert à rien. C'est fou. Eh bien, écoute, on tente. Hein. Good luck. Hein. Putain, mais pourquoi j'ai un désavantage autant cible trop proche? Ouais. Oh oh. Et si tu le contournes et que t'essayes de le pousser? Bah je peux pas parce que ça fait des attaques d'opportunité. Ah ouais? Oh c'est dommage parce qu'avec la vague tonnante là... Je peux... Hmm. Ah quoi que, attends. Juste en... Non là, collé à lui en vrai, ouais. Tant que tu restes collé à lui... Vas-y fais le volet Marion. Hop! Ouais! Oh, oh let's go! Il est tombé. Oh il pourra pas te taper là! Il est tombé. Avec un peu de chance les araignées vont le bouffer. Oh là là. Oh là. Avec un peu de chance. Oh, alors peut-être. Astarion. Oh les araignées qui sont rentrées dans le fight. Mangez-le. Mangez-le. Bouffez-le. Bouffez-le. Mais vraiment entre les deux. Bouffez-le. Aïe aïe aïe. C'est bon. Je m'en vais les meufs. C'est bon. C'est bon. Bouffez-le. Allez mangez-le. Oui. 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 Voilà. Et voilà. Elles sont plus dans le coma. C'est pas fait. Oui. C'est bon. Elles peuvent bouffer. Waouh! Oh, par contre, il y a son loot avec elle, quoi. C'est vrai. C'est un autre souci, ça. C'est pour plus tard. Non, c'est un problème à la fois. Un problème à la fois. C'est qui, lui? Oh, waouh! Il sort d'où, lui? Je suis une la dévote, là. On en est où, quoi? Ah, mais il est là-haut. Mais je sais pas. Il était monté, hein. Bon, est-ce qu'on va réussir? On peut le faire. Ah, il a que 2 PV, lui, en fait. Pourquoi est-ce que je me suis emmerdée? Oh, let's go. Je sais pas pourquoi je me suis emmerdée. Ah, mais merde, j'aurais dû raise Yuno, je suis débile. J'ai totalement zappé. Non, t'inquiète, c'est pas grave. Mets-toi, si tu peux te déplacer, mets-toi là où je suis, moi, pour pas que l'autre, il t'envoie un carreau ou un truc comme ça, là, celui qui est tout en haut. Ouais. Tu vois, okay. Normalement, à peu près, je pense que décalé, tu seras... Je pense, hein. Alors attends, ça c'est moi. Est-ce que je peux te soigner depuis ici? Pas de cible. Si, elle est là, la cible. She's here. Possibilité ouais, je crois qu'il faut que t'aies visu, il me semble. Évidemment. Pour envoyer un sort de soin. Mais en vrai, c'est ok. Il en reste un. Au pire, tu te rapproches un peu de... Ouais. Oh là, attends, j'ai pu faire un truc de fou, là. Et là, hop. Non, ouh. Je voulais sauter, mais non, c'est... Normalement... Oh! Ok! Magnifique! Je suis debout! Il est où? Ah, mais oui, il est là-haut lui! Je prends une potion! bah tiens, un de ça, tout! Hein. Oh! Magnifique! Bah, trop bien! Un PV! Quel move! On le défonce! On le défonce! Ah, c'est ça ton. Ça, c'est un de tes pouvoirs, ça! Incroyable! C'est quand on. Quand on t'envoie une attaque, et bah tu reviens. Alors, Shadow, relève-toi. T'as voulu te soigner, et bah hop là. Relevez-vous, mademoiselle. Waouh, alors ça, voilà. J'y croyais zéro. Hein. Ça s'est tellement mal passé. Alors, on va faire ça. Mm-hmm. Et on va faire ça. Oh, voilà. Magnifique. Oh bah ça va tout de suite mieux. Ah bah ouais. Franchement, GG, hein. Franchement, j'y croyais pas, hein. Ah, t'as Carrie, là. Incroyable. 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 Je suis ravie. Maintenant, on a juste un problème. C'est que le loot. De Michel Gigafort, là... Ouais. Il est en bas. Il va falloir aller se farcir les araignées, moi. Mais c'est pas grave, j'ai un plan, regarde. Il y a plein de tonnelles de poudre à canon, là. Regarde. Ah. Hop. J'arrive. Je vais appeler ce plan explosion à 8 pattes. Regarde-moi. Je suis prête. Ah! Ah! Fuck off. Ok, c'est pas grave. En deux actions, le plan. Action numéro 1. Ouais. La poudre. Action numéro 2. Astarion, il a une flamèche normalement. J'ai un parchemin de main brûlante et un feu non. Grégoire. Ah bah tu peux envoyer le feu Grégoire directement. En vrai, ça va te faire péter et leur faire des dégâts en même temps. On les fait péter, Marie! Attention, ça dégage! Oh là! Voilà! Let's go! Magnifique! Magnifique, quelle action, en deux temps, merveilleux. C'est beau. On les reste une quand même.
Il en reste une, parce qu'elle est grande araignée géante, tu vois, genre, elle est grande araignée géante. Effectivement. Elle est grande assez... géante, elle est là. Bon, on va les canarder depuis là-haut. Hein. Et... Ah oh putain, elle a sauté. Oh, elle a sauté. Saute pas, Colf. Oh. Ok. Raté. Ok. Ok, ok, est-ce Shadow que... Ouais, position surélevée, j'aime bien ça. J'aime bien. Hein. Vas-y, dégage. Oh non, là, 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 magnifique! Oh là là, cette coop! Non, mais, hé. On leur roule dessus. Putain, y'a le cadavre, un flageur mental, là, par terre, par contre. Ah bon? Y'a un poulpe, vraiment, il est là, il est... Mais il sort d'où, lui? J'en sais rien, il est là. Mais qui es-tu? Comment? Ouais, bah, prends-la, la larve! What the fuck? Ouais, mais je pense que c'est à celui qui est en bas. Ah. Du coup, va falloir faire le tour pour descendre dans le cachet. Oui, bah on y va. Oui. Non, 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 non. Mais je... Ah. Mais je suis en bas, Marie. Elle est en bas. Bah oui, parce que oui, bah oui. Attends, je vais aller contourner, moi. Non, mais, j'arrive, t'inquiète pas. J'ai ramassé le parasite. Voilà. Le portail. Ah, bah c'est sympa, par ici. Hein. Je pense pas que je vais pouvoir... Je récupère les cadavres qui traînent, hein. Ouais, hein. Est-ce que je peux ouvrir ça? Ah, j'ai trouvé une nouvelle bombe. Oh, merde, c'est génial. C'est verrouillé. Ouvrez-moi, s'il vous plaît. Attends, y a un levier. Open the door. Let's go. Ah, merci. C'est bon, tu as tout fouillé merci en bas, y'a pas rien d'autre? Bah, j'ai fouillé les cadavres qui traînaient, ouais. Magnifique. Y'a un passage, là. Y'a un passage. Une grotte. Ok. Et je suis peu... Ah ouais, entrer dans la grotte. Inspiré, mais on ouais. peut... Voilà. Tu dis ça parce qu'il y a des toiles d'araignée partout? Oui. Ouais. Shadowheart, viens ici! Qu'est-ce qu'elle fait là-haut toute seule encore? Ça suffit. Elle a pas voulu sauter jusqu'à sa mort. Pas comme toi. Attends, plaque le guerrier. Il a encore une hache, lui. Okay. Ah ouais. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, j'aurais dû faire F5. F5. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Allez, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, dis donc. Oh là. Oh, le temple profané. Ah, bon, bon. Ah mais c'est le poème du nain qui brûlait. Il parlait d'un temple. La vie de Wai parlait d'un temple. Attends, je relis son poème. Vas-y, vas-y, il relis le donc... poème. Moi, je fais le ménage. Il est où? Ne t'inquiète pas. Ouais, hein. Je s'occupe de tout. Moi, je vois des œufs d'araignée, je les tabasse. Trouver la écoutez-moi porte bien. Sous le temple. Je crois que les lunes... Non, attends, la porte sous le temple. Mais là, c'est pas vraiment... Il y a une porte en dessous, il y aurait une trappe. Il y a peut-être une trappe. Ouais, je nettoie. Hein. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Comment tu fais pour attaquer? Sans combat bah, tu prends ton icône d'attaque et tu vises... Ah oui, d'accord. Hein. Très bien. Genre vraiment juste en mode main... C'est quoi ça? Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ok. Pourquoi c'est y a creepy. Rien Shadow, de la lumière, s'il te plaît. Waouh. Wow, quelle femme. Mais quelle femme. Oh là. J'avoue que moi je peux plus faire de sort moi. Il me reste un sort de niveau 2. Non, c'est rien, il a pas de sort. Et bah, c'est bien, je m'attendais à mieux, hein. Y'a rien du tout. C'est un cul de sac, je crois. Je là, suis vraiment, dégoûtée. Est-ce qu'on peut sauter? Non, on peut même pas. Oh putain, on voit la meuf! La meuf? Regarde, si tu décales un peu la cam, on voit la meuf qui nous a viré là, qui nous a jugé de ouf. Ah oui, 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 attends, elle est où? Elle est. Bah, en face de là où je suis, hein, mais on peut pas monter. On peut pas monter? Non. Pourquoi moi je la vois? Du coup, pas. On sait comment y aller en vrai. Bah, en décalant la cam. Je la vois pas, la meuf. Ah si, bah moi je la vois. Elle est ah là. Oui, c'est bon, elle vient d'apparaître. Ok. Ah ouais, on aurait pu y aller par là. Mais bon, on avait la clé parce qu'on a buté la prêtresse. Donc bah, de toute du coup, façon, au final, on sait comment y aller. Donc en vrai. J'ai envie de dire. Ok. Magnifique, hein. Repartons de ce nid là. Brouh brouh. Alors. Ah, il marchait dans la toile d'araignée. Alors... Merveilleux, merveilleux. Fuyons cet endroit du démon. Yoshiki, merci beaucoup pour les 49 fois. Merci. Allez, hein. Merci pour le rassemble. J'espère que tout va bien.
Je vais éviter de marcher dans l'acide cette fois-ci. Mm-hmm. Voilà. Par ce côté-là. Alors, je suis remontée. Où ne nous sommes-nous pas allés? Alors, dans cette grande pièce, il y avait... Non, là-bas, il y avait un portail. La vie de moi, il y avait du pognon là derrière. Vas-y. Il y avait un portail. Ah oui, regarde-moi ça. Oui. Ouvre-moi cette... Ah, sérieux, ouvre-moi la vie de moi si c'est cette porte. Tu ouvres cette porte si c'est la dernière chose que tu fais de ta vie. C'est vrai que moi, j'ai ramassé la bouffe ah. dans les... Il n'y a même pas eu besoin de crocheter, quoi. En fait, ouais, il y avait la porte. Mais attends, mais... Ouais. À moi ? Ouais, c'est jackpot, là. Oh là là. Ok. Moi, je ramasse de la bouffe pour le camp. L'amulette de l'élu, le gant, le machin de l'or, oui. Oui, je prends tout. Prends tout. Oh, j'ai tout pris. J'ai tout pris. Oh là 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 voilà. Là, incroyable. Attends, qu'est-ce qu'il y avait de beau? Amulette. Est-ce que je peux remplacer des trucs du coup de... Ouais. Amulette de l'élu. Sort mineur d'évocation. C'est quoi ça? Attends. Comment je fais? Je vais peut-être plutôt donner ça à quelqu'un qui peut jeter des sorts. Genre Shadowheart. Elle a pas de collier. Est-ce que je te l'ai mis dans ton inventaire? Ça n'a pas marché. Ouais. Est-ce que tu as lu ce que ça fait ce truc là? Non, j'ai pas lu. J'arrive pas à trouver comment lire. Mais je sais plus où est-ce qu'il est. Quand tu fais T. Il est là. Ouais. C'était normalement. Bah, et quand tu vas dessus, il te dit rêve de ses lunettes. Un allié que vous touchez récupère des points de vie, mais a une chance de s'endormir. Donc je ne pense rigolo, pas prendre cette amulette. C'est gentil, mais je pense que c'est dangereux. Talisman de l'absolu, c'est quoi ça? C'est tout en augmentant un maximum de points de vue. Ça, c'est bien ça. Mm-hmm. Attends, carrément. Astarion qui peut pas se soigner lui-même, ça peut être pas mal. Bouclier, ça on s'en fout. Ok, ah, c'est pas mal tout ça. Ok. Alors, donc cette pièce c'est bon. Mais du coup. On n'a pas trouvé d'informations, c'est-à-dire qu'on est arrivé, on a buté tout le monde, mais... On a buté tout le monde, on a le gars qu'on a trouvé qui était en train de se faire torturer, juste, on suppose, nous a dit que Alcine s'était transformé en ours, mais qu'il n'avait pas revu depuis, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Bien, il gambade dans la forêt, tu sais quoi. Mais totalement, heureux, totalement. Après, j'ai comme l'impression qu'il est toujours là, mais... Mais bon. Parce que bon, s'il gambade dans la forêt, c'est qu'on est venu là pour rien, tu vois. Ce qui est possible. Mais bon, Pas sûr quand même. Du coup... Je sais où on n'est pas allé, moi. Y a sur la droite, on n'est pas allé. Mais vas-y, je te suis. Ouais, mais moi, je te suis, vas-y. Hein. Parce que... Attends, comment est-ce qu'on atteint cet endroit-là là... Mais y a un mec, y a deux mecs, là-bas. Mais y a un œil. Non, y a cinq mecs. Non, y a trois. Y a des... Oh là, niveau 6, attends, doucement. Oula. Ça commence... Oui, c'est par là. Ouais, c'est par là, hein. Tout à fait. Attends. Ah. Putain, c'est vrai qu'on est... Bah oui. On discute plus maintenant qu'on a démonté le camp, c'est vrai. Pardon. My bad. Ah, parce qu'on peut discuter de base, fait que... Marie, de base, tu peux discuter avec tout le monde, vraiment. Tu peux... Ah bah là, non, ils sont pas très ouverts à la discussion, bah, you know. Oups, tiens, mais vraiment, du coup, j'ai plus de sort sur Andardin, c'est pas grave. Ah. Eh bien, je vais essayer de nous débarrasser déjà d'un ou deux... Voilà. Voilà. Ok. Voilà. Ouais. Ah, merde. Ok, oui. Est-ce que je peux... Si je monte, j'arrive où? Si j'arrive en hauteur, peut-être que je peux... Ouais, non, vas-y, doucement, Marie. Va déjà, genre, là. Là. Ok. Ouais, vas-y. Hein. Voilà, hein. Ça, c'est pour soigner. Je peux faire ça.
Tadam! Est-ce que ça... La diplomatie n'existe plus. Non, il n'y a plus. Ah non, effectivement, non. Ah là, à ce stade, il n'y a plus du tout. Aucune diplomatie proposée. Là, c'est ah juste... Là, c'est... Ouais, ouais. Dégage. Ouais. Aïe, il n'y a pas eu d'F5, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, on va les défoncer. On les démonte, ouais, on les démonte, bien sûr. On les défonce, Marie. On s'en est fait 16! C'est vrai. Mais plus là, l'autre 3, là. Giga vénère, là Ouais, mais il y a une... Ah, mais non, mais elle est pas dans le combat, elle. Il hein y avait une giga vénère niveau 6, ah, elle est pas oui, là. Ah oui, là-bas, là. Elle est là-bas. Non, non, elle est là-bas, ouais. Putain, c'est vrai qu'on est totalement out of... Il n'a pas le niveau pour faire ça, Léna. Sur certains trucs, vraiment. Mais c'est pas grave. On mais s'en oui sort, Marie. Mais oui. Là, on y arrive, quand même, hein. Oh là. Attends. Niveau combien, celui-là? Non, combien de points de vie? 14, et lui... C'est quoi ça? L'œil, il en a plus qu'un. Il en a plus qu'un, ok. C'est un œil scrutateur. De toute façon, en fait, je peux faire 15 spells. Il est là. Deux. Ah, je peux faire ça. Normalement... Magnifique. Oh, merveilleux. Merveilleux. Je propose tu de reculer. Tu l'as défoncé. Après oui avoir buté l'œil. Oui, 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 d'accord. Moi, ça me va. Comme ça, je peux juste récupérer mes spells avec Andarna et après... Ah non, non, non. Non, 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 je le défonce. Je le défonce. Démonte. Voilà. Hop, reculons. Super. Reculons. J'adore ce vice. Reculons. Ok. Ah, est-ce que, bon. Un court repos, c'est suffisant? Ah non. T'as besoin de quoi? Ah non, les sorts, c'est forcément un long repos. Après, eh bien... Direction est-ce le camp peut... Ouais, ouais, hein. J'ai allez, plus hein aucun spell. Genre zéro. Ah, allez, et bien direction le camp. On a... tu as une nouvelle larve, si jamais tu veux l'utiliser, d'ailleurs. C'est vrai que j'ai ramassé sur le cadavre de... C'est vrai. De Michel, là. Alors, attends. Il y a Michel, le barde, qui est arrivé. Oui. Oui, je t'en prie. Vas-y. Je suis la discussion. Uh-huh. Merveilleux. Mm-hmm. Oh là là. Thank you so much. I was just settling in and reviewing my latest findings. Mind flayers, cultists, and of course, your esteemed company. On va vraiment avoir un barde là. D'accord. Que savez-vous sur les flagellants mentaux? Well, I'm practically an expert. They've tentacles, you know. Quite shocking. The druid Halson had some kind of mind flare specimen in a jar in his quarters. A replica, no doubt, but truly fascinating to see up close. Bien sûr. Parasite? As a matter of fact, I do. But why do you? Il a l'air un peu naïf, notre cher ami. Il est un peu con-con. Il est un peu con-con, et du coup, c'est bon, on va pouvoir tout lui dire. Écoute, j'en ai une dans mon cerveau, j'en ai même deux, mais c'est pas grave. C'est quite impossible. You'd have undergone ceramorphosis by now. Dites-moi plus. Ah, mais elle nous a donné les détails, les ailes, t'inquiète. Hein. Elle nous a tout dit. Je sais pas comment on survit à ce camp, Marie. Écoute-moi bien, je savais pas que c'était possible, L3, à la base. Eh ben écoute, moi je suis ravie. Hein. J'ai juste peur qu'à un moment il y a un énorme mur, genre un pélo niveau 12. Mais pour l'instant, tout va bien. Tout va pour bien. Pour l'instant, ça se passe. Hein. Écoute, tu es un peu comme Michel, mais t'inquiète, rien. You infected by a mind flare? Ridiculous. Oula. Isn't it? Bah vas-y, regarde, hein. Bah écoute, Oui, oui, hein, regarde, hein. Perhaps that's for the best. Uh-huh. I'd be irresponsible not to debunk such a strange claim. Mm-hmm. Ma ceinture est full buggée. C'est ma ceinture, en fait, qui fait ça. Je sais pas si tu vois. Le... Ah oui. Oula. Oui. Ah c'est... oui, effectivement. Oui. Voilà. Ça fait une matière un peu parfaite. Merci, Véloca, pour le raid. Incroyable. Incroyable. Des bisous, mais c'est pas du tout un baby raid. Pas du tout. La baisse, merci beaucoup. On est sur BG3. Je découvre le jeu, oh c'est très rigolo.
C'est un Donjon et Dragon. C'est, en gros, c'est un film. Je, ah bah là, je suis là, compliqué. Hein. C'est incroyable. Des bisous, Bello, t'es la meilleure. On lui a dit pourtant qu'on était infecté par un parasite. Hein. On lui a dit. Il nous écoute pas. Hein. Après, plus ça va, moi, je lui fais confiance. En fait, genre, il avait l'air un peu con-con, mais là... Oui, par tous les moyens, ouais. We'd have a specimen of incredible rarity on our hands. I'll need to research the particulars, however. Give me a bit of time, and I'll have this little issue sorted. Mais bien sûr. Volo a décidé de rester dans le camp. Bah, superbe. Génial. Je reçois donc une veste. Je suis ravie. Oh là là. Mais quelle classe. Merci à lui, un grand homme. Un grand homme. Eh bien, oh parfait. Là là. Est-ce qu'on fait la petite ronde de discussion? Ah non, faut qu'on se mette en mode nuit d'abord, c'est ça? Oui, tout à fait. Fin de la journée? Fin de la journée. Vamos! Quelle journée de nouveau! Mais quelle journée! J'en presse des choses dans ce con! Oh là, Stario a envie de discuter. Ah, Stario. Évidemment. Mais écoute, évidemment. J'adore, c'est elle l'illumine là, avec la flamme encore dans la main. Si belle. Waouh. Si belle. Eh bien écoute, veux-tu commencer par parler à Shadow Heart? Ou Astario? Vas-y, va voir Astario, il a un truc à dire en vrai. Autant il a un truc à dire. J'adore, ça va encore me dire. Non, je veux pas vous parler. J'ai un secret. Ah, Marc, putain, 99! Ah, vous me dire! 99! Plus qu'un mois. Regarde, Astario est là pour t'accueillir. Oui. Oui, bonjour. Mon ami, alors. C'est-à-dire. Non, ça se fait pas. De quoi? Mais de non, de d'assumer. Mais c'est vrai qu'il est un peu. Avez-vous bu? Aucun jugement, juste partagez. Consommez-vous le vin blanc? Et si c'est le cas, partagez. Mais oui. Ah. T'as trouvé un ours? Putain, non. C'était ta fille. Non. Tu te fous. Comment ça, Astario? Astario, ça fait 4 jours qu'on cherche un ours. Tu te fous de moi. Non, non, non. Je... Pitié. Si tu as bu le druide, la vie de moi. Bon, eh bien... oui, vous avez l'air de faire bonne humeur. Hein? Est-ce que tu as tué le druide? T'étais sûr que c'était un vrai ours? Oula! Il avait pas l'air très sympa ce Casador. Bah super! Bien, ça a l'air. Non mais j'avoue, pourquoi des rats? Pourquoi des rats? I existed. That was enough for him. Oh. He revelled in having power over me. Because those with power can do whatever the hell they want. C'est vrai. Mais du coup, ça n'empêche pas que tu viens de... Hein? À l'ours. Comment parler? Alors... Non, mais vous êtes libre, voilà! C'est tout ce qui compte! Oui. T'as pu boire mon sang, le sang de l'ours, c'est beau, c'est pas mal, non? What good is freedom if I'm always watching the shadows? Non. No. I'll be safe when I'm powerful enough to grind Cazador into the dust. Oh! Powerful enough to do whatever the hell I want. Ah, de la vengeance, j'aime bien la vengeance, c'est bien. C'est bien. Oubliez, pardonnez, non ça. La vengeance, oui. Alors, il y a des héros dans le coin, faudrait pas qu'ils découvrent. Bon, le pouvoir corrompt, non, mais non. Non, voilà, exactement, on protège les faibles, les forts. Le pouvoir corrompt, mais on s'en fout. On s'en fout, je suis là avec deux larves dans ma tête à dire que le pouvoir corrompt. C'est vrai, voilà, c'est fou, ça. The strong had two centuries to pluck me. Ah, c'était pas la bonne réponse, pardon. But no one came. No. No. It was the mind flayers that rescued me. They gave me a gift. Vu comme ça, effectivement. The strength to take my own freedom. I'm embracing this power. You should oui. Too. Oui, tu crois que la carotide a marré sur toi, mais c'est mais, ok.
À pleine dent, on a bien vu. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, effectivement. Ok. Ok. Alors, à ton tour. Elle dit rien. Je sais pas. Est-ce que je peux lui parler plus ? Ton artefact ! Non, effectivement. Non, non mais je... Attends, je suis où, là, dans mes points d'appréciation, là ? Qu'est-ce qui se passe entre nous, là ? On en est où ? Je suis pas assez positif, hein ! Je suis à neutre 14, hein ! Neutre 14 ? Attends, elle est où, en broker ? J'avoue ! Comment tu vois ça ? Ouais, alors, c'est le troisième onglet, du coup. Ouais, mais comment tu vois neutre 14 ? Tout en... Bah, tu vas sur le troisième onglet de cette page-là. Plutôt que d'être sur la ligne... Ah, pardon. Tu vas sur l'onglet avec les caractéristiques ou les... Ah, neutre 14, très bien. C'est ça. Ah, toi, t'es moins 1 pour Astarion. Ouais, moi, je suis neutre 20. Tu lui as pas filé ma carotide aussi, il est pas fin. C'est vrai, c'est vrai. Ah bah, moi, je lui ai filé ma carotide, je suis neutre. C'est moyen, ça. Mais bon, je peux parler aux animaux aujourd'hui, ouais. Qu'est-ce qu'il veut gratouiller ? Je pensais que... Qu'est-ce qu'il veut, les chiens chiens ? Hope you're keeping well, friend. Il est trop chou. Il m'appelle ami. Oh, il... Qu'est-ce que t'as fait ? T'as reparlé à Ombroker ? Ah, t'as dit que je l'ai sauvé à bord du Nautiloïde. Ça crée des liens. Ah, bah voilà quand même. J'étais pas juste là à regarder, hein. Moi aussi, ah, j'ai. Ah, bah voilà quand même. C'est fou! Non, parce que je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle pensait de moi et elle m'a dit en vrai, c'est ok, c'est cool de voyager ensemble, c'est très rare, les gens avec qui je m'entends se comptent sur le doigt de la main. Waouh! Ah! Pardon. Incroyable. Incroyable! Oh là là. Eh bien, très cher, magnifique. Hein. Nous pouvons dormir. Nous pouvons dormir. Allons dormir. Quelqu'un au camp, quelqu'un au camp parler. À qui? Les elfes? Qui nous a pas parlé ? Les ailes ou Will, mais je sais pas. Je vois pas de point d'exclamation. Peut-être que ils sont pas obligés d'avoir un point d'exclamation ? Pas normal. Ah, Marie, bien le bonjour ! Ah. Viens donc vers moi, j'ai trouvé le point d'interrogation. Qui est donc ? Il y a une momie dans notre camp, Marie. Je... on est donc se coucher alors qu'il y avait une momie vraiment qui observait de... Non, mais ok. Bah oui, un mot. Bonjour, mon cher ami. OMG. Thy name has been recorded. Il est terrifiant. I shall be here in the... For whenever thou hast need of my services. Ah bah non, c'est pas trop tôt. Qui alors c'est je... Que... Qu'est-ce qu'il vous... je... Excusez-moi, mais vous êtes qui? Que fait... Pourquoi j'ai trop de questions? Quoi? There are many answers to that question. None are important. Alors, ce n'est pas la bonne réponse. Il va falloir juste élaborer. Faire mieux. Élaborer, monsieur, s'il vous plaît. Quoi que vous fusse, s'il vous plaît. Non, mais je veux dire, tu peux rester. Mais pitié, mais qu'est-ce que... Enfin, tu peux rester, va savoir, hein. Correct. Oh, waouh. Pour une fois qu'il y a vraiment un dialogue, c'est précisément ce que j'aurais dit. Vraiment, dit, élabore donc, développe. Non. Génial. Alors. Vous étiez en train de trier quelque chose la dernière fois. Hein? Je n'ai jamais vu cet homme. Enfin, ce truc. C'est peut-être un... C'est quoi la première phrase? On l'a jamais vu. Vous étiez en train de trier quelque chose la dernière fois, qu'est-ce que vous faisiez au juste? Ouais. Alors, ouais, non, je crois... Bah merde, alors on l'a vu quelque part? Parce que celui-là, on peut le croiser quelque part. On n'y est pas allé. On n'y est pas allé. Dans la zone. Du coup, on l'a pas vu. Mais on aurait pu le trouver là-bas, dans un caveau. Mais
Le truc, c'est que du coup, je suis pas sûre qu'on l'ait vu ailleurs depuis. Bizarre. Mais ok. Bah écoute, je vais plutôt dire l'autre truc parce que ça reste plus RP, ouais. Donc que... okay, il n'élabore pas. Mais maintenant, quel est l'intérêt de votre présence ? Aïe, aïe, aïe. The threads between life and death. Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body once more. Ah. Finally, j'ai cru entendre parler de vous. D'accord. Oh là. Eh bien, pourquoi tu m'aides? Pourquoi tu ferais ça pour moi? Mais oui. Ah voilà, un coup, ok. A matter of coin. Ah ouais, d'accord. Vraiment, juste tu veux du fric. Fort bien. C'est scandaleux. Vous pourriez m'aider à changer de classe? Ah, il fait ça aussi? Ouais, il peut te permettre de te respell, c'est-à-dire que si t'en as marre de jouer druide et que t'as envie de jouer autre chose, bah voilà. Tu peux refaire ton perso, tu reprends évidemment tous tes levels, mais dans une autre classe. Tu peux aussi, du coup, si t'avais pas pris la décision de multiclasser, décider de multiclasser à un moment, genre voilà. Tu peux vraiment tout refaire pour toi et pour les compagnons. Mais non. Si, bien sûr. Incroyable! Yeah. Donc on peut avoir les ailes magiciennes. On peut. MDR. Tu peux faire ce que tu veux. Trop drôle. Par contre, juste si je la magie du jeu. C'est ça qui est bien avec la rejouabilité aussi. Quand tu fais d'autres parties, tu as envie que du coup tes persos soient autre chose pour tester de nouvelles classes, bah tu peux. Incroyable. Attends, je veux juste lui dire ce qui est scandaleux parce que j'adore l'écouter parler. Such is life. Outrage leading. To a singular end. Bonne réponse, j'aime bien. Oh, wow. J'aime bien. Magnifique. Donc, Et ben voilà. Hein. Flétrice. Bienvenue au camp Flétrice. Enfin, tu ramènes ton cul. Du coup, tu l'attendais depuis... Je l'attendais, j'étais là en mode, mais putain, c'est vrai que si on meurt vraiment en fight et qu'on n'a pas assez de parchemin ou que quelqu'un est obligé de s'échapper... C'est... Voilà, quoi. Ah ouais. Et lui, il est pratique aussi pour le respell, voilà, quoi. Peut-être un monde où je respell un peu en broker vite fait. Trop et bien. Pas tout de suite. Mais ouais, hein. Ok. Ah bah lui, c'est un peu un cheat code, il est pratique, hein. Ah oui, effectivement, oui. D'accord. Oh, wow. Et bah heureusement que le jeu nous a dit qu'il voulait nous parler, parce que je ne l'aurais pas vu, sinon. Eh bien, allons nous coucher. C'est parti. Je mets les provisions du camp. Et let's go. Ah. C'est même pas moi qui suis couché pourtant. J'avoue. Ah. Oh, la bouette. Mais du coup, tu peux pas lui parler. Si je fais quelque chose à manger, tiens, je vais lui donner de la bouffe. Ça fonctionne toujours. Oh, tout le monde approuve. Merveilleux. Tout le monde approuve la bouffe. Oh, boué, boué. Je vais la tenir dans ma main. Je vais manger la nourriture. Vraiment la pire des connasses, quoi. Tu le veux? Non, c'est à moi. Aïe. Bah écoute, tiens, je dans ma main. Vas-y, viens si tu veux, je ne bouge pas. Mais putain! Aïe. I'm not chasing after it if that's what you're thinking. Bah j'espère bien. Mais trop chiante. Madame. Ah, je te jure. Vraiment. Ouais. C'est rigolo parce que en général c'est Astarion qui me dit ça, mais je pense que du coup comme il est lié à toi, et lui il vient en mode vraiment genre il va le bouffer genre. Ah oui, d'accord. En mode. Alors non, deux fois que c'est elle qui vient me dire ça, mais c'est genre vraiment les autres fois, dans la plupart de mes runs, c'est Astarion qui vient plutôt qu'elle. Genre en mode, bah dis donc, alors du coup, et toi t'es là en mode, non Astarion, non vraiment. Non. Laisse le nounours. Laisse tranquille.